l'incitation à l'investissement privé. Les problèmes d'autorisation liés au projet éolien, l'autorisation. Il faut améliorer la banque. Donc, l'enjeu de la réforme pour atteindre les objectifs fixés, atteindre 30% de 2040, il faut intégrer au maximum le parc des énergies renouvelables, aussi bien photovoltaïque, éolien, CSP. Dans l'horizon. Et pour ne pas arriver à la saturation, il faut d'ores et déjà travailler au développement des interconnexions. Les interconnexions, je vais dire, sont notamment les pays maghrébins, principalement l'Algérie, et aussi le développement des interconnexions qui est plus européen, Tunisie et les. À 200 km de l'Italie. Il a des frontières avec l'Algérie et des frontières avec les pays. Donc, pour atteindre ces objectifs, il faut redéfinir un peu le rôle de l'État. Il faut améliorer la gouvernance énergétique et le cadre réglementaire. La mise en place d'une autorité indépendante d'énergie, simplification de la fiscalité, notamment le taux de droit de l'imposition des moyens, simplification des procédures administratives pour les permis. Il faut renforcer la formation professionnelle. Il faut améliorer la compétitivité et l'attractivité des contrats d'achat des purchase power agreements. Donc, on va signaler. Des carports solaires pour développer des véhicules.
Donc aussi, donc il faut travailler sur une vie intelligente. She is active since 2010, I think.
le fils de Siakou, un commercial directeur from Stadium Village. Please, please don't just help, and please, you know, what's Steak Room and Energy as a diploma? How to contribute to the goal of the Room and Energy? Cadre réglementaire
comment les choses commencent à se clarifier. Et il manque toujours, sincèrement, malgré les efforts déployés pour publier, déjà on a la loi en 2015, les décrets, les textes d'application, tout ça, et les procédures en fait restent toujours pas bien claires, d'accord. Par exemple, les autorisations nécessaires, les administrations concernées par ces autorisations-là. Aujourd'hui, par exemple, là, pour le développement des projets, on peut déposer des demandes auprès des ministères concernés. Parfois, ils répondent, parfois, ils ne répondent pas. Il n'y a pas vraiment une procédure claire, on se pense. D'accord. Aussi, pour les installations des bases d'urgement, on a en place une procédure pour demander des autorisations pour l'installation. Je parle des terrains de domaine public, hein, dans le cadre des régimes d'autorisation. Donc, ce qui n'est pas le cas pour le régime concession, donc principalement c'est de point de vue procédural. Aussi, on a rencontré plusieurs problèmes avec le ministère de la Défense, d'accord, par rapport aux autorisations, à leur avis, à la faisabilité des projets aériens, principalement. Donc, on n'a pas de zones de restriction claires. Donc, il y a des refus, parfois non signés, on peut comprendre la confidentialité des informations de ça, la sécurité nationale, et aussi l'énergie, c'est aussi, on parle aussi de la sécurité nationale, donc on veut bien rencontrer des questions par rapport à ça. Bon, par rapport aussi au niveau de ça, manque, c'est vrai que la CEGA a mis en place une procédure justement pour le dépôt des demandes les problèmes français qu'on a toujours rencontrés, c'est que vous savez, là, on utilise la majorité des terrains des propriétés communes, des titres de France, bon, pas de Tunisie, et comme ça, pas juridiquement, mais à l'international, ils sont reconnus. Donc, on a beaucoup de problèmes aussi, si on a une situation foncière, on va dire, menacée. Donc, en gros, c'est ça les problèmes que nous avons rencontrés. Oui, c'est Ali, oui, je suis là. Oui. I ask Omar Bey because RAF is similar aspect compared with the stake of Omar Ben Hassin Bey. तो ना कौन था ये लिखा करान बाहर कर रहा हूँ कर 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 Bonjour tout le monde. Merci pour cette opportunité de pouvoir parler du programme tunisien pour le développement des énergies renouvelables. Comme l'a dit Servi, effectivement, ça fait plus de 22 ans maintenant que je travaille dans ce secteur. J'ai commencé où il n'y avait aucun cadre légal pour son développement. Donc, peu de chemin à passer depuis. Malheureusement, on a perdu beaucoup de temps. La Tunisie aurait pu être une des premières dans le bassin méditerranéen, dans le sud, surtout de la Méditerranée, pour le développement des énergies renouvelables.
Moi, actuellement, je travaille avec le groupe CARE, qui est un groupe qui est producteur d'énergie électrique à partir des énergies renouvelables. Le groupe développe ses activités dans 13 pays différents, dans plusieurs continents, et essentiellement, bien sûr, en Europe, en Amérique, en Asie et beaucoup en Afrique aujourd'hui. Le groupe donc, a participé aux différents appels d'offres qui ont été lancés dans le régime des autorisations, que ce soit en éolien ou en solaire. Il a aussi participé aux appels d'offres pour l'éolien, pour les régimes des concessions. Nous avons une stratégie de développement en Tunisie qui est sur le long terme. On est là pour construire des projets et les exploiter et rester dans le pays pour une très longue période. Nous avons actuellement gagné des projets en autorisation sur le solaire photovoltaïque et nous avons aussi gagné un projet éolien de 30 MW. Ça, c'est pour les activités du groupe. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que nous opérons aussi dans l'hydrogène. Servine a parlé tout à l'heure de l'hydrogène et de la possibilité donc, du stockage à partir de l'hydrogène pour permettre aux énergies renouvelables de se développer. On sait que le green hydrogène, aujourd'hui, c'est un objectif mondial. L'Europe a des targets qui sont très élevés. Et nous sommes en train de travailler aussi sur cette partie-là concernant le développement d'hydrogène en Tunisie, que ce soit pour l'export, comme l'a dit Servi, pour le marché local, qu'on aimerait bien voir se développer. Donc ça, c'est pour l'introduction. Parfait, c'est Romain. Je vais poser une question. Quelles sont les difficultés majeures que vous avez rencontrées dans le projet? Vous êtes en train de développer. Comment on parle de quel problème aussi? Oui, effectivement, malgré la volonté politique du gouvernement d'aller pour la réalisation des objectifs du plan solaire tunisien qui sont de 30% d'énergie renouvelable à la fin de 2030, au jour d'aujourd'hui, on aurait dû en Tunisie avoir peut-être un millier de mégawatts déjà installés. Nous sommes un peu en retard, malgré, encore une fois, les trois rangs en autorisation et les rangs en concession pour l'éolien et pour le solaire. Bon, les problèmes, Madame Manella, qui en a cité, je pense que c'est le même problème pour tout le monde. Le premier problème, c'est concernant donc, le PPA le premier rang, pour certains de ces articles, n'est pas acceptable pour les banques internationales. Et donc, à partir de là, à l'époque où Mme Giraud était ministre de l'énergie, il y a eu un engagement public lors d'une réunion à l'UTICA pour faire de ce PPA un PPA acceptable pour les institutions financières. Dans ce cadre, nous avons travaillé de très près avec la STEG et le ministère pour sortir une lettre de clarification. Cette lettre clarifie certains articles pour les banques pour leur permettre d'avoir de la visibilité concernant certaines sécurités et certains garanties. À ce jour, on attend toujours de la part du ministère l'obtention de cette lettre de clarification. C'est le même cas pour le deuxième round, sachant qu'aujourd'hui nous avons des deadlines de réalisation qui sont pour le mois de juillet pour les projets du premier round d'autorisation. Ajoutant à cela le problème de fourniture du matériel qui vient d'être mangé, on pouvait s'attendre à avoir pour 6 mois. Aujourd'hui, les délais sont plus longs à cause du problème du Covid. On a des délais qui peuvent aller jusqu'à 8 mois. Et dans ce cadre-là, ces projets, s'ils n'obtiennent pas les extensions demandées pour les délais de réalisation, s'ils n'obtiennent pas les lettres de clarification ou de confort, ces projets-là ne pourront pas voir le jour. Ça, c'est un problème vraiment fondamental pour les projets en autorisation, pour le premier round et aussi pour le deuxième round, parce qu'il y a aussi une modification de la lettre de clarification pour le deuxième round aussi.
Et la même question pour l'éolien au 30 MW. Ayant dit cela concernant donc la documentation, il y a d'autres problèmes d'ordre technique ou de terrain. Effectivement, nous avons une question avec le ministère de la Défense. On est en train de chercher des solutions techniques à des problèmes techniques. Les zones dans lesquelles il y a beaucoup de ressources pour le développement d'éolien et on a le maximum d'heures de production sont des zones un contrôle pour des raisons de radar des fois, pour des raisons de télécommunication d'autres fois. Rarement pour des raisons de vol pour atterrissage des avions, mais aussi on a des problèmes de vol à vue, des fois sur la zone de Bizerte, surtout les vols à vue concernant donc les hélicoptères et certains avions militaires. Tous ces problèmes-là ont des solutions techniques et malheureusement, encore une fois, à cause du Covid, on n'a pas pu permettre à l'armée de faire des renforcements de capacité. Concernant donc, les solutions techniques à ces problèmes. On espère qu'après le Covid, d'ici pas longtemps, on pourra trouver le temps pour qu'il y ait des formations pour les militaires concernant des solutions techniques qui existent aujourd'hui en Europe. Tout cela fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de retard sur la réalisation des projets, que ce soit dans l'éolien ou dans le sol. Donc voilà, en gros, les problèmes que nous avons. Bien entendu, il y a des problèmes fonciers, mais qu'on sait résoudre concernant des terrains privés. Concernant des terrains publics, il y a des solutions qui sont en train d'être mises en place par les institutions gouvernementales et on espère que ça sera clarifié. Parce qu'on peut aller très vite dans la réalisation de projets. Si on a un outil